Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo ouverture de colis. Cette fois-ci il n'y a pas que du AliExpress et ça j'en suis sûre parce que j'ai 5 colis du coup et j'ai un gros carton d'Amazon. Voilà, et sans plus tarder, on va commencer. Alors, premier petit colis, ça vient de AliExpress, j'en suis sûre. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, hein. On va découvrir ça ensemble. Alors qu'est-ce que c'est? Ah bah, ce sont des petites boucles d'oreilles que j'ai commandées il y a, je sais plus, 3 semaines peut-être. Alors je pensais qu'elles étaient plus grosses que ça, mais ça va, c'est d'une assez bonne taille. Voilà, si vous voulez je vais en porter une pour que vous voyez comment ça fait. Hop, ah oui mais là, pareil celle-ci, c'est les boucles d'oreilles que j'ai là sur moi. Je les ai eues il y a quelques jours, mais je ferai de toute façon un haul AliExpress parce que j'ai reçu plein de colis en seulement 15 jours. J'ai reçu, hop, voilà, celle-ci il y a quelques jours. Je vous mettrai le prix si vous voulez ici des boucles d'oreilles de celle-ci. C'était moins d'un euro. Et du coup, voilà, je vais mettre celle-ci. Hop, voilà, elles sont un petit peu pendantes. Franchement, ouais, elles sont mignonnes. Donc, voilà pour ces boucles d'oreilles. Alors, deuxième article de chez AliExpress. Et ça, je pense que c'est un pinceau que j'ai commandé. Normalement, c'est un rose avec les poils blancs et rose. Alors, voyons voir. Hop, et oui, c'est celui-là. Je l'ai commandé pour mon highlighter. J'en ai déjà un pinceau, mais je voulais en avoir un deuxième. Alors, je vais couper pour pas faire trop de bruit. Voilà. On va essayer de le sortir. S'il veut bien sortir. Par contre, les poils, ils sont hyper... Enfin, sont bien doux. Hein. Mais ils sont hyper fins. Il n'y a pas beaucoup de poils, en fait, je trouve. Donc, à voir. Hein. Voilà, le petit pinceau. Un peu plus grand que ma main, voilà. Le manche en bois rose pâle, comme ça. Et les poils blancs et mince. Et rose. Voilà sur ce pinceau. Alors le prochain, c'est un gros colis comme ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai commandé la serviette démaquillante qu'on voit partout sur les vidéos. Vous savez la rose, alors je ne sais pas. Et si c'est ça? Oh trop bien, elle est arrivée hyper vite. Hein. Je l'ai achetée sur Amazon. Je l'ai achetée 2,99€ sur Amazon. Donc par contre, elle est toute douce partout. Alors que sur les vidéos, je voyais qu'il y avait un côté doux et un côté un peu plus exfoliant. Et là, par contre, elle est vraiment que toute douce. Donc, je verrai bien en essayant ce soir comment qu'elle démaquille. Si vous voulez, par exemple, un crash test ou que je me maquille à mort et que je me démaquille avec cette serviette démaquillante, dites-le-moi en commentaire. Et je me ferai un plaisir de faire cette vidéo. Alors, avant-dernier colis, je pense que ça, c'est un vêtement. Je prends mes ciseaux, voilà. Hop, alors qu'est-ce que c'est? Désolée pour le bruit. Alors, ça, c'est un t-shirt, mais pas à moi. Je vous mettrai la photo du site, là, maintenant, voilà. Je vais l'ouvrir pour vous faire voir quand même. C'est de AliExpress, c'est un t-shirt que j'avais acheté moins de 5 euros je crois. Je vous mettrai de toute façon les prix par ici. Alors comme vous avez vu sur la photo, c'est un t-shirt avec marqué « Hate You ». Et franchement, je suis surprise de la qualité, c'est vraiment de la bonne qualité. Hein. C'est coton, bon il y a une petite odeur chimique mais enfin bon, vous pouvez passer... au lave-linge avant de le porter. Ça c'est, vous savez, le papier, enfin, transfert, voilà, donc pour laver, hein, le mettre à l'envers. Ma soeur fait une taille M et j'ai pris taille M. Je sais pas si ça serait la bonne taille ou un petit peu petit, mais enfin bon. Franchement, bonne qualité. Je suis contente de ce t-shirt, je vous le recommande. Et du coup, dernier paquet qui vient d'Amazon, celui-ci. Alors, je vais l'ouvrir en espérant que je n'ai pas trop de mal parce que
Amazon, ils... enfin, leurs colis, ils sont vachement bien emballés. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, bah voilà. Hop. Alors, c'est un petit ventilateur qu'on a pris parce que vous avez vu comment il fait chaud dehors. Et du coup, dans les maisons aussi, il doit faire, je sais pas, 24 peut-être chez moi. Hop, je vous le déballe. Voilà, c'est un petit ventilateur comme ça par rapport à ma main. Voilà, c'est un mini, hein. Pas très grand. Alors, comment il est le branchement? Hop, 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 je cherche. Bon, je vais le déballer comme ça au moins. Je vais mieux voir. Alors, branchement USB. Ah oui, c'est pour mettre à côté de l'ordinateur en fait. C'est mon compagnon, mon petit chéri, qui l'a pris. Et du coup, ouais, c'est en plastique ici, là. C'est en PVC, quoi. Bah, on verra bien. Voilà, il peut se mettre en plusieurs positions. On verra bien le temps que ça dure. Et je vous mettrai le prix de toute façon par là pour que vous sachiez combien on l'a acheté. Avec le petit interrupteur ici, on-off. Voilà! Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Et moi, d'ici là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!